Sur les routes de l'Ontario, en 1974, plus de 98 000 personnes furent blessées dans des accidents de la circulation. 2 000 y ont trouvé la mort. Un bon nombre fut atteint d'infirmités permanentes. Pour des gens comme Caroline et Paul que nous voyons ici, les accidents de la route sont une des causes de mortalité les plus fréquentes. Mais on pense toujours que ce genre de choses n'arrive qu'aux autres. Paul n'avait même pas songé à se munir d'une roue de secours. Le constable Andy Dobby, un officier chargé des relations publiques, compte parmi ses responsabilités l'enseignement des mesures de sécurité routière. Présentement, il propose de mener Caroline et Paul dans un endroit où ils pourront se procurer une roue de secours. Dobby donne un exemplaire du livre de Bernie Katz intitulé Human Collision ou la collision humaine. Cette brochure contient des données fondées sur des recherches scientifiques grâce auxquelles vous pourrez décider si la ceinture de sécurité est un accessoire utile qui vaut la peine d'être supporté. En fait, la réponse à cette question se trouve dans le cimetière de voitures de Bernie Katz. Il y a là tant d'épaves qu'un système de télévision en circuit fermé est nécessaire pour pouvoir les repérer toutes. La différence qu'on peut faire entre ces deux autos, eh bien voyez-vous, celle qui est sur la gauche. Ces deux voitures ont subi le même genre d'accident et leur histoire est racontée dans le livre La collision humaine. Ces véhicules ne présentent que des dégâts mineurs à l'avant, car chacun d'entre eux a été accidenté à faible vitesse. Pourtant, celui de gauche permet de voir comment deux impacts peuvent résulter d'un seul accident. Le premier impact se produit lorsque la voiture, frappant un objet solide, ralentit alors que l'écrasement de l'avant absorbe une partie du choc. La distance d'arrêt du véhicule est d'environ 2 pieds, soit 66 cm, et la durée de l'arrêt est d'un dixième de seconde. Le deuxième impact suit de très près le premier. La voiture ralentit au moment de la collision, mais les passagers à l'intérieur, n'ayant aucun moyen de ralentir, continuent à se déplacer à 30 000 à l'heure, jusqu'à ce que quelque chose les arrête, quelque chose de solide qui les empêche d'aller plus loin. Et c'est cela, la collision humaine. Dans le cas d'une collision se produisant à une vitesse de 35 000 à l'heure, un être humain a besoin d'environ 4 à 5 pouces pour s'arrêter dans la course qui l'a projeté vers l'avant. Si la personne est projetée directement dans le cadre du pare-brise, la distance d'arrêt n'est que d'un pouce. Dans le cas d'une collision humaine, le temps d'arrêt est 10 fois plus court que celui de l'automobile elle-même. Cet arrêt brusque sur une distance aussi réduite est la cause d'un impact considérable entre le corps humain et la voiture. C'est la collision humaine et non celle de la voiture proprement dite qui a causé les dégâts que vous constatez ici. Et c'est la collision humaine qui est la plus pénible. Pour bien comprendre ce que représentent les forces en jeu dans le cas de la collision humaine, supposons qu'une personne marchant d'un pas vif rentre dans un poteau d'acier. La collision se ferait environ 3 à 4 000 à l'heure. Les blessures seraient légères et ne mettraient pas la vie de cette personne en danger. Que cette personne court à environ 15 000 à l'heure, le choc contre le poteau serait tel que les blessures subies pourraient entraîner la mort. Pensez maintenant au choc de sa tête contre ce poteau à 30 000 à l'heure. Le sujet n'en sortirait pas vivant. La plupart des parties de l'habitacle d'une automobile ne sont pas capitonnées et un simple accident peut entraîner des blessures graves à la tête et à la poitrine. Une personne rebondissant à l'intérieur de la voiture peut se heurter au pare-brise ou au montant de la porte. Toutes ces parties sont dures et résistantes. Une personne frappant une telle surface s'immobilise rapidement. C'est le corps humain qui doit absorber la plus grande partie du choc. Les blessures qui s'ensuivent, crâniennes, abdominales, sont très courantes dans la collision humaine. Même si votre voiture est dotée d'une colonne de direction amortissante, vous pouvez subir des lésions internes considérables. La plupart des accidents se produisent à l'avant des voitures, mais ils peuvent se produire de tous les côtés également. Dans certains cas, le terme « collision humaine » est chargé d'une signification spéciale.
Lorsqu'une voiture est frappée, tous les passagers se déplacent vers le point du choc. Dans le cas d'une collision frontale, les passagers situés à l'arrière sont projetés en avant et viennent frapper le conducteur et les passagers du siège avant. À une vitesse de 30 000 à l'heure, une personne pesant 150 livres viendra frapper le passager avant avec une force de 3 000 livres. Lorsque la collision humaine met en présence un adulte et un enfant, les résultats peuvent être catastrophiques. La collision humaine peut aussi se produire à l'extérieur de la voiture. Certaines personnes appellent cela s'en sortir indemne lorsqu'elles sont éjectées de leur voiture et qu'elles vont s'étendre sur le sol. Quelquefois, elles sont indemnes, mais jusqu'au moment où leur voiture capote et termine sa course sur elles. Si vous êtes encore persuadé qu'il est préférable d'être tout simplement éjecté dans une collision, alors demandez-vous pourquoi les accidents de moto sont si dangereux. Les motocyclistes sont toujours éjectés, eux. Bien sûr, il n'y a pas de règle absolue ni de garantie, mais les gens qui restent à l'intérieur de ce qui est quand même un habitacle protecteur, celui de l'automobile, risquent beaucoup moins d'être tués que ceux qui sont éjectés. De nos jours, la façon la plus logique d'éviter la collision humaine, c'est de boucler votre ceinture de sécurité. Doug Hennessey provoque des accidents d'automobile. Pour lui, c'est une façon de gagner sa vie. Sa protection dans ce travail, c'est d'abord sa ceinture de sécurité. Et bien sûr, une voiture capable de prendre des coups très durs tout en protégeant la vie du passager à l'intérieur de l'habitacle. Comment les ceintures de sécurité ont-elles permis de survivre à un accident violent? Le premier indice d'ordre scientifique est apparu dans le début des années 40. Après avoir étudié les cas de personnes victimes d'accidents aériens ou de longues chutes, on découvrit alors que les cas les plus spectaculaires de survie avaient deux choses en commun. Premièrement, les personnes avaient atterri de telle manière que la force d'impact s'était répartie sur le corps entier. Et, deuxièmement, elles avaient toutes atterri sur quelque chose qui avait amorti leur chute. Et par conséquent, la distance d'arrêt était plus grande. Conclusion, ce n'est pas la chute qui tue, c'est l'atterrissage. Dans les années 50, le colonel John Stapp, de l'armée de l'air des États-Unis, prouva que le corps humain était capable de résister à des forces incroyables de décélération, à condition d'être retenu adéquatement par un harnais de sécurité qui répartit la force sur les surfaces osseuses solides du corps. Les ceintures de sécurité des voitures sont basées sur ce principe. En vous retenant à votre siège, votre ceinture vous permet en quelque sorte de voir venir l'accident. C'est l'avant de la voiture qui, faisant office de coussin en s'aplatissant, procure ainsi une distance d'arrêt plus grande, donc un arrêt moins brutal. En portant votre ceinture, votre distance d'arrêt est la même que celle de la voiture. Et les forces d'impact sont réparties sur une plus grande surface de votre corps. Vous évitez la collision humaine. La ceinture de sécurité doit être portée correctement pour jouer son rôle. L'abdominale se porte bas, serrée contre les hanches, ainsi elle enveloppe les os du bassin afin d'absorber la majeure partie de la collision. Le baudrier permet aux épaules et aux côtes d'absorber une partie de la force et garde le thorax en place afin d'éviter sa projection en avant. Les ceintures de sécurité sont rarement par elles-mêmes la cause de blessures. Quand cela se produit, c'est en général qu'elles ont été mal installées. Une ceinture placée trop haut par rapport à l'abdomen peut provoquer des blessures internes. Vous pouvez également être blessé ou contusionné par une ceinture torsadée ou portée trop lâche. La partie inférieure de la ceinture doit être placée facilement sur le bas des hanches. Quant à la ceinture baudrier, elle doit laisser un jeu de 2 pouces entre la sangle et la poitrine. Afin de s'assurer une meilleure protection, les deux parties de la ceinture, l'abdominale qui enveloppe le bassin et le baudrier, devraient être portées par les adultes en tout temps. Les enfants aussi doivent être retenus afin d'éviter des accidents. Comme les os des enfants ne sont pas encore complètement développés, il y aura lieu de considérer qu'une protection spéciale est nécessaire pour les enfants de moins de 5 ans ou pesant moins de 50 livres. Il existe une ceinture spéciale pour eux, parfaitement adaptée et rencontrant les normes de sécurité gouvernementale. Les ceintures répartissent les forces de la collision sur le corps de l'enfant, tout en protégeant son crâne, encore très fragile. Les enfants plus âgés, ceux dont les os sont plus fermes, peuvent utiliser une ceinture ordinaire. Contre les accidents.
adolescents devraient toujours s'asseoir à l'arrière de la voiture. Les études de laboratoire réalisées à partir d'accidents simulés à l'aide de mannequins construits de façon à reproduire le comportement du corps humain ont prouvé que les ceintures de sécurité réduisent les contraintes et les blessures infligées dans les cas d'accidents automobiles. Mais en se tournant vers la réalité, que découvrons-nous? Que se passe-t-il sur les routes? En Suède, une étude faite sur 28 000 accidents d'automobile a révélé que les personnes qui portaient leur ceinture avaient reçu la moitié moins de blessures que celles qui ne l'avaient pas bouclée, quelle que soit la vitesse en cause. On a également constaté que des personnes qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité ont été tuées dans des accidents où la vitesse était inférieure à 20 000 à l'heure. Personne parmi les gens qui étaient munis de leur ceinture n'a été tué dans un accident dont la vitesse était inférieure à 60 000 à l'heure. Le fait de porter votre ceinture ne vous garantit pas que vous sortirez vivant de chaque collision. Il est impossible d'être toujours maître des facteurs qui entraînent un accident de la route. Mais l'enquête faite par des équipes analysant les accidents d'automobile au Canada a fait ressortir qu'environ la moitié des personnes tuées ou sérieusement blessées auraient pu en sortir indemnes si elles avaient porté leur ceinture. Dans l'un des cas, il s'agissait d'une jeune femme qui revenait de chez ses amis. Dans un dépassement, sa voiture a frappé un petit chien et elle a perdu le contrôle de son véhicule. Sa voiture bascula sur le côté en frappant le trottoir, puis capota. La jeune femme fut éjectée sur la chaussée et la voiture finit sa course en se retournant sur elle, la blessant mortellement. L'habitacle du véhicule n'avait pas été endommagé. Les enquêteurs conclurent donc qu'il aurait pu protéger la conductrice si elle était restée à l'intérieur. Le bon sens, lui, tendrait à prouver que l'usage d'une bonne ceinture aurait certainement évité une fin si tragique à la conductrice. Les bonnes ceintures sont équipées d'un signal sonore qui rappelle au conducteur, lorsqu'il monte en voiture, qu'il doit s'attacher. Dans presque tous les cas rencontrés dans les enquêtes, il a été prouvé que l'usage de la ceinture a considérablement réduit les risques de blessures, voire de mort, même lorsque la voiture prend feu, comme ce fut le cas de celle-ci. Les accidents qui se terminent par le feu ou un plongeon dans l'eau sont d'ailleurs extrêmement rares. L'année dernière, en Ontario, on a constaté seulement un cas de mort par noyade sur 7800 accidents. Les enquêteurs ont alors prouvé que les ceintures ne retiennent pas prisonniers. Au contraire, elles permettent d'échapper plus vite en maintenant les occupants à l'état de conscience. Or, pour demeurer conscient, il faut que vous évitiez la collision humaine. Des recherches ont également démontré que les ceintures peuvent prévenir des accidents. Dans une manœuvre brusque, vous perdez votre position normale et par conséquent, le contrôle de votre véhicule. C'est la raison pour laquelle les participants aux courses automobiles et les cascadeurs s'attachent à leur véhicule. Vous pouvez apprendre beaucoup uniquement en visitant un cimetière de voitures. Vous y verrez ce qui a provoqué la collision humaine. Tout comme vous verrez que conduire une voiture, c'est aussi s'exposer à être blessé ou même tué. Ceux qui pensaient que ça n'arrive qu'aux autres étaient malheureusement dans ces voitures. Ces mêmes personnes croyaient que les ceintures de sécurité étaient faites pour être portées uniquement sur les autoroutes. Elles-mêmes affirmaient que les accidents arrivent toujours loin de chez soi. La plupart des routes dangereuses sur lesquelles il vous est donné de conduire se trouvent dans votre voisinage, à peu de distance de votre domicile. Bien sûr, chaque fois que vous montez dans votre voiture, le risque d'avoir une collision est mince. C'est ce que Paul pensait. Mais songez que dans les 10 prochaines années, 3 personnes sur 24 vivant actuellement en Ontario seront tuées ou blessées dans un accident d'automobile. Au cours des 40 prochaines années, 8 personnes sur 24 seront tuées ou blessées. Oh, évidemment, vous pourrez toujours trouver certaines de ces ceintures inconfortables ou déplaisantes à porter, mais dans une vie de durée normale, vous aurez plus d'une occasion sur 2 d'être blessé ou tué dans un accident d'automobile. En portant une ceinture de sécurité, vous réduisez ce risque de moitié. À vous de prendre la décision. Parce que tu tiens la vie, mon ami, oh, tout peut arriver si tu ne penses pas à t'attacher.
crois pas qu'on devrait mettre nos ceintures maintenant? Oui, t'as raison.